Yo les gens, ici Rafi Gaming, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Une vidéo aujourd'hui découverte de F1 24. Le jeu est sorti le 31 mai 2024. Donc désolé de vous faire la vidéo si tard. J'ai eu un petit contretemps ce week-end. Donc je pouvais pas aller chercher le jeu avant ce week-end, bah avant aujourd'hui. Donc le jeu est développé par Codemasters et édité par Electronic Arts. Voilà, donc on va découvrir le petit jeu ensemble. Donc c'est parti. Donc le mode carrière qui se présente en 4 modes maintenant cette année. On a le mode créer pilote. Donc vous créez votre pilote. Donc écurie, pas écurie, mais vous avez la carrière créer pilote. Donc soit vous créez un pilote de toute pièce, ou vous pouvez prendre un pilote qui est déjà existant. Et après, vous pouvez également partir de la Formule 2 et monter vos échelons en F1. Voilà, vous faites une carrière de F2 et après vous montez en F1. Voilà. Voilà. Donc ensuite, on a le créer mon écurie, comme d'habitude, le mode My Team. Donc moi, je vais pas y jouer cette année. Je vais vous faire juste une carrière normale de pilote comme ça. On a le carrière de pilote. Donc vous pouvez jouer à deux, je crois. Et vous avez le carrière en défi. Donc c'est en ligne. Donc vous faites une carrière en ligne avec d'autres personnes. Voilà. Donc c'est parti. Ensuite, on a le F1 World. Donc le F1 World, c'est comme tous les ans, on a quelques défis à faire. Donc on a joué, garage, vous pouvez modifier votre monoplace, personnaliser votre monoplace, les trophées que vous avez gagnés et le showroom, voilà, avec vos monoplaces. Ensuite, on a également le mode multijoueur local. Donc là, c'est multijoueur local, c'est avec la même console. Vous pouvez jouer avec deux manettes. La course en ligne. Ligue, alors je sais pas ce que c'est. Connectez-vous à IRSNet pour rencontrer d'autres personnes. Voilà. Pour faire d'autres. La boutique pour acheter des cosmétiques. Vous pouvez acheter des cosmétiques directement. Donc, par exemple, ça, je sais pas ce que c'est. Si la Écoutez. concurrence pouvait se réveiller la prochaine fois. D'accord, en plus c'est une femme qui parle, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi c'est une femme, là c'est pas c'est quoi ça? Ah, ça c'est des trucs qu'on peut acheter. Là pareil, on peut acheter de nouvelles monoplaces, donc ça sert à rien, 900, j'ai 0 points. Les parcours, donc marque, tenue décontractée, l'insigne de Monaco, de monoplace, tenue de course, books XP. Donc ça faut payer, hein, malheureusement. Ah, c'est un peu comme. Ouais, c'est un peu comme. Comme Toxpin avec sa boost d'SP, ok. Et après vous avez le DLC Bitcoin, où on peut acheter les DLC et avec de la vraie monnaie des Bitcoins, voilà. Hop, en vedette, voilà, c'est ce qu'on avait tout à l'heure. On a la salle des projections, où vous pouvez revoir un grand prix que vous avez fait par exemple, ou terminé. Les paramètres, bah, c'est les paramètres. Donc on va direct partir directement en F1 World. On va se faire un petit grand prix ensemble, jouer. On va se prendre un petit grand prix. Je sais pas ce que je pourrais prendre comme grand prix, tu vois. Grand prix. Tiens, on va faire le Grand Prix de. Je sais ce qu'on va faire. On va faire le Grand Prix de Canada, comme c'est le prochain Grand Prix qui va arriver ce week-end. Qui va arriver là. On va avoir le Grand Prix de Canada. Donc, du coup, je vais faire le Grand Prix de Canada. Je vais faire celui-là. Grand Prix de Canada. On va prendre par exemple Charles Leclerc. Prendre Charles Leclerc, hein, qui a gagné le dernier Grand Prix à Monaco. On va faire Aide. Bon, ça, on va tout désactiver. Normalement, tout désactiver. Difficulté, on va se mettre à. Ouais, 50, on va se mettre à 50% de difficulté. 50% de 50 de difficulté. Formation, format de course, on va mettre. Qualification simple. Attendez. Non. Qualification courte. On va mettre qualification course. Et course tour. Donc course 5 tours. Voilà. Qualification courte. Et on va faire course en 5 tours. On va faire ça. Hop. Ensuite, on va faire paramètres météo, on va mettre beau temps. Alors, on va mettre la beau temps. Et c'est bon. Normalement, tout est bon. Simulation. On a bien le départ à aider, voilà, c'est bon. Donc on va partir sur ça, sur ce mode-là. Allez, c'est parti, on y va. Je vous laisse avec la petite intro et je vous dis à tout de suite. Donc là, c'est qualification courte, on va faire les petites qualifications. En espérant que j'y arrive bien. Soyez les bienvenus, nous sommes ici au Canada sur le magnifique circuit Gilles Villeneuve. Qui va réaliser le tour le plus rapide au cours de l'heure qui vient? Réponse avec les qualifications qui vont commencer. Donc c'est parti, on va pas perdre de temps. Séance d'essai. Non, pas d'essai. Départ de la piste, oui. Réglage fermé, oui. Et départ lancé, c'est parti. Donc apparemment, il a changé aussi ce circuit-là. Apparemment, d'après ce que j'ai compris, il a changé ce circuit-là. Il est plus comme avant. Allez, c'est parti.
Wouhou! Il prend un peu le virage un peu brutement là. Il reste tout seul. En automatique, ça c'est cool. Complément d'énergie. Du coup, par contre, le jeu niveau graphique, il est beaucoup plus mieux. Bah, beaucoup plus mieux. Beaucoup plus beau graphiquement, je trouve. Par rapport à l'année dernière. J'arrive pas avec ce nouveau F1. Trop du mal. Hein. La conduite, elle est vraiment différente. Hein. C'est qui a le meilleur temps, Mike Bussen? Bussen qui a le meilleur temps. Bottas prend le meilleur temps. C'est lui qui a dérapé là. C'est là qui a dérapé ou quoi? Meilleur temps, une 14. Ah, j'ai la première place. J'ai la pole. Ça, c'est cool. Ah, par contre, il y a Gasly qui sort là, il va me gêner. C'est quoi ce bordel? Je suis dans mon tour de formation, normalement. C'est quoi ce bordel? Pourquoi il y a tant de bagnoles qui sortent là? C'est pas normal, ça, normalement. Wouah! Pas très bien là, nouveau temps. Ah, Verstappen a le meilleur temps. Je suis deuxième. Il a fait une combien? Une 14 et quelques. C'est de faire un meilleur tour là pour battre Verstappen. Ok, t'inquiète. Alors c'est quoi le tour, je sais pas quoi, j'ai vu là. Prosper, père, je sais pas c'est quoi là. C'est un truc qui est bizarre. Ah, dommage. J'ai fait un bon tour, là. J'ai le meilleur temps pour l'instant en S1. Je suis moins bien, là. On va partir deuxième, tant pis, c'est pas grave. Je pense qu'on n'aura pas un meilleur temps. Avertissement sorti de piste, merde, dommage. Non, on n'a pas le meilleur temps. On va rentrer au stand. On va rentrer au stand, retour au garage. On va avancer un peu le temps, on va voir comment ça se passait, mais normalement je devrais pas partir premier, je pense pas. Deuxième. On va faire séance. Les temps. Là je suis deuxième. On va avancer le temps. Voir si ça va changer beaucoup ou pas. On partira à la place qu'on partira, tant pis, c'est pas grave. Hein. Mais bon, de toute façon, c'est une découverte, donc peu importe, je m'en fous. Donc là je suis troisième, quatrième. Bon, je pense que je partirai peut-être dans les quatrièmes peut-être. Bien voir ce qui va se passer. Ah, sixième, je crois, j'ai vu. Passe podium. J'ai vu quelques points, du coup. Bon, c'est pas des masses. Hein. Les qualifications donc, sont je pars septième. Non, onzième. Bon, pour la ok. Course de demain, alors et je suis en difficulté 50%. Ce Grand Prix qui devrait tenir toutes ses promesses. Ah, c'est quand même chaud, quand même, 50%. C'est, à mon avis, ils ont haussé le niveau par rapport à l'année dernière. D'ailleurs, c'était pas si dur que ça. Hein. Après, je pense qu'il faut que je me fasse au jeu. Hein.
pense que c'est ça le truc, faut que je me fasse au jeu. Je vous laisse avec la thématique et je vous dis à tout de suite. Nous sommes de retour pour un nouveau Grand Prix. Espérons que l'action sera une nouvelle fois au rendez-vous. Le circuit Gilles Villeneuve est l'un des plus rapides de la saison. Les moteurs tournent à plein régime sur environ 60% des 4,3 km du tracé. Il y a 14 virages à négocier, dont le dernier et le plus connu risque d'entraîner l'intervention de la voiture de sécurité. Observons l'ordre de la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Max Verstappen a réalisé un chrono phénoménal hier. Ah ouais, franchement, il s'élance une 13. En pole position, wow. Suivi de Lando Norris. Derrière eux sur la grille, nous retrouvons Russell, Oscar Piastri, Albon, Perez, Sainz, Fernando Alonso, Joe, Hamilton, Leclerc, Bottas, Stroll, Gasly, Ricciardo, Tsunoda, Sargeant, Ocon, Hülkenberg et Kevin Magnussen occupent la dernière place sur la grille. Il est temps maintenant de nous tourner vers la piste. À mes côtés dans la cabine de commentaires, mon camarade Jacques Villeneuve, un journaliste, sait ce qu'il a à faire avant le départ d'une course. Qu'en est-il pour les pilotes, Jacques? À quoi ressemblent les dernières heures avant le départ? Les pilotes aussi ont leurs petites habitudes d'avant-course. Certains mettent un casque pour écouter de la musique, d'autres préfèrent s'imprégner de l'énergie du public en allant le saluer. Il y a des pilotes qui préfèrent s'enfermer dans leur bulle ou bien discuter avec les ingénieurs pour emmagasiner un maximum d'informations vitales dans l'optique de la course. Il ne faut pas minimiser l'importance de ces routines d'avant-course. Les C'est pilotes clair. Participent à de nombreux grands prix dans une saison et ces routines rassurantes leur permettent d'affiner leur automatisme malgré le changement d'environnement. Allez, c'est parti. Par contre, il n'y a pas de tour de formation, c'est nul. Allez, c'est parti. Allez, bon départ. Ouhouhou, très bon départ même. Je suis arrivé quatrième. Je pars sur 11e. Par contre, ces virages-là, je déteste. Ouh là là! J'ai failli toucher. La voiture, elle a trop du mal à freiner, la voiture. Je trouve que ça freine pas assez, je trouve, dans le jeu. En mode course, ça freine presque pas. Ouais, excusez-les, désolé mec, j'ai pas voulu te toucher. Ah là, mon voiture va être moins performante. Remarque de légers dégâts sur l'aileron avant. Ne prends pas de risque jusqu'à ce qu'on répare. Il ne faut pas que ça empire. Ah, je suis désolé. Désolé. Ah là, la voiture a des rapameurs. Dans 3 tours à tenir. Oh devant. Ouah devant, c'est passé quoi là? C'est passé quoi devant? Bien, au travail. Je sais pas ce qui s'est passé devant mais.
Il y a une glissade de Verstappen ou de Norris. Waouh, j'ai coupé l'herbe. Ah, je sais, t'inquiète. T'inquiète. Je sais pas ce qu'il m'a fait comme frère, je sais pas ce qui s'est passé devant, mais... Putain, j'arrive à le poursuivre avec un aileron tout pété, quoi. Ouh ! Désolé, Verstappen. Ça passe ou ça casse ? Avertissement. Voilà, la foirasse. Regardez la poursuite. On est côte à côte. Wouah. Je sais pas ce qui s'est passé, mais là, j'ai coupé l'herbe sous le pied. Beau travail, tu viens d'établir le meilleur tour de la course. Là, tu m'étonnes, comment je carbure à mort, là. Allez, Leclerc. Là, ce que j'avais vu la vidéo de Retro Futur, il l'a fait en difficulté facile, hein, 0%. Moi, bon, je suis à 50%, là. Donc, c'est un peu plus dur, c'est pas la même... C'est pas la même difficulté. Je suis pas là pour enfiler des perles, moi. Je suis pas parti dans une difficulté... petit joueur. Après, chacun joue comme il veut, mais enfin, j'aime bien les petits challenges parce qu'à 0% il n'y a aucun challenge. Enfin, par contre là, c'est une connerie là. Allez, plus qu'un tour à tenir. Avec le DRS, il va me baiser la gueule. Non, mais le DRS, il n'a même pas le suivre. Allez. On tient le coup. Dernier tour en course, c'est ton dernier tour. C'est quoi tour propice? J'ai pas compris c'est quoi là. Il y a des nouveaux trucs maintenant, des bonus, tout ça. Ah putain le con. Faut que je change de bouton. Faut que je change de bouton parce que en fait la radio c'est L1. Ah L1 c'est peut-être pas mal la radio. Verstappen est derrière toi. Il est à moins d'une seconde. Sa voiture a de nouvelles comme médium. Le dernier tour a donné 1 minute 15,8. Dernier tour, c'est parti. La météo ne devrait pas perturber nos plans aujourd'hui. Ça devrait rester sec du début à la fin. Pour l'instant, les slicks semblent être les plus rapides. Voilà. Course gagnée. Au Canada. Avec des difficultés quand même. Voilà, drapeau à damier. C'est trop bien ça qui rajoute ça. C'est trop bien. Ça met vraiment une ambiance dans le truc. Franchement, trop bien. Il ne fallait pas trembler au moment de dépasser tout au long de la course aujourd'hui. C'est classe, franchement. Une victoire où on part loin de la première ligne fait toujours plaisir car il faut vraiment se donner à fond pour l'emporter. Après, je pense que le podium c'est le même depuis des années. C'est ça qui est chiant. Et voilà, une équipe habituée au podium qui monte à nouveau sur la plus haute marche. Une course d'exception aujourd'hui et une victoire éblouissante pour Ferrari. Franchement, bien fait. Hein. C'est bien foutu. Alors par contre, dommage qu'on n'a toujours pas les signes nationales, les victoires à chaque fois. Dommage, je trouve.
Ça, c'est vraiment dommage qu'on n'a pas l'hymne national. Dommage, dommage. La bonne course que j'ai faite, franchement. Eh bien, encore un week-end ponctué par une course fantastique. Merci à toutes et à tous de nous avoir rejoints. Rendez-vous sur le prochain circuit. Au niveau de temps, j'étais bien au niveau de temps. 1,15,068. Et l'ordi, il faisait 1,15,800. Donc presque 800 centimes d'avance au niveau du temps. Donc j'ai fait un bon pilotage quand même. Donc voilà, cette nouvelle vidéo découverte est terminée. Je vous donne rendez-vous prochainement pour le début de la saison avec Pierre Gasly en tant que pilote chez Alpine. N'oubliez pas de liker, partager, commenter mes vidéos. Si bye bye, portez bien. Peace. Take a body's high.